Salut à tous, c'est Flick 3236 et je suis en compagnie d'Alan Itami. As-tu vu mon produit? Et on se retrouve après le let's play, donc on va faire les in-game collection. Pour l'instant on en a deux, j'ai ramassé quelques emblèmes de mon côté. Alors, c'est parti pour Sonic the Hedgehog, premier jeu de Sonic sur la Game Gear. Ah, tu dois en avoir des anecdotes. Ok. Skin attaque. Bon, on verra bien. Le bon vieux Sonic avec les yeux noirs. Ah oui, c'est une belle époque pour lui. C'est son âge d'or. Voilà, il est petit l'écran. Voilà, oui, c'est... on remarque aussi. Cette vitesse. On peut pas être plus grand. Soit on peut faire ça, soit ça. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Je vois pas l'intérêt de jouer en petit. Ouais, c'est comme dans le JDG, quoi. Je vois pas l'intérêt de... Invincibilité. On me rappelle sur Xbox. Sur Xbox? Non, pas sur Xbox, c'était... Ah si, si, c'était sur Sonic Generation. Quand tu peux acheter une manette grâce aux anneaux qui te permet de jouer à Sonic 1. Ah ouais? Ben dans Sonic 1, t'avais l'option justement de soit en plein écran ou soit en mini-écran. J'ai testé en mini-écran. Franchement, le Sonic, ça fait très petit. Hein. Je sais pas, je fonce, mais ça passe. Aïe. Ben c'est ça le principe d'un Sonic, hein, c'est foncer dans le tas. Hein. Oh, après il y a bien sûr les émeraudes et tout à trouver, mais bon, le principal c'est de trouver. Après j'avoue j'ai déjà joué à ça, mais j'ai pas dû aller très loin. Donc Ok. Ça me manque le ta 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 ta. Ah quelle époque. Et évidemment, comme dans tous les vieux jeux, bah, y a pas de sauvegarde. What? Ok. Ouais, je m'en rappelle, j'ai déjà fait ça. Bon, j'ai raté un anneau. Donc du coup, ici, y a pas de spin dash, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas de spin dash. Même dans le 2, sur Game Gear, il n'y a pas de spin dash. Je peux juste rouler comme ça. Le 2, c'est seulement sur Sonic le Hérisson 2, sur V Mega Drive, que le spin dash est apparu. Et franchement, à partir de là, j'ai adoré. Ouais. Parce qu'au moins tu crevais moins souvent. Ouais. Il m'arrivait quelquefois d'essayer de tuer les ennemis en faisant justement en spinant. Le problème c'est qu'en fait j'appuyais pas assez fort donc. Aïe! Ah d'accord. Je me souviens comme un con comme ça. Il y a une mouche qui m'a chié dessus, j'ai perdu mes anneaux. Les mouches sont dangereuses dans Sonic, faites gaffe. Ah, je sais pas où je vais là, c'est n'importe quoi. Il manquerait plus que tu croises Froggy. Oh là là, mais je suis nul. Ah mon dieu, c'est par là, je peux aller. Oh. Ouais, il fallait rester en haut en fait. Oh non, il y a une plateforme. Ah, t'as pas une vieille musique 8 bits là. Ah, il était génial. Arrête, je suis nostalgique de ça. Quand je pense que le premier niveau de Sonic Lost World, le tout premier niveau de Sonic Lost World, c'est juste... C'est juste... ils ont changé le nom, mais en fait c'est Green Hill, Green Zone. Ouais, Green Hill. Sauf qu'ils ont changé, ils ont mis des plateformes à la con, mais c'est toujours... c'est à peu près la même chose. Hein. Ils auraient pu laisser Green Hill Zone. Là, je remarque avec notre bon stage B. Je remarque qu'il y a toujours un chrono en fait dans les jeux Sonic. Ben oui, c'est à peu près bon. Après, tu sais, dans les anciens, ben, les chronos étaient beaucoup plus, comment dire... Là, je crois que tu n'as que 10 minutes. Si tu es à bout de 10 minutes, tu finis pas le niveau, t'es dans le... tu finis. Ah. C'est foutu. Okay, donc là, ça doit être un boss. Oh putain. Ok. Lui, je suppose. Oh bah ben non, c'est pas par là. Bon, mais la villa servait à rien.
Ouais. Donc après deux stages, on a un boss comme d'hab. Ouais. Ce qui est un peu différent de Sonic Adventure, j'ai envie de dire, parce que Sonic Adventure, t'as un stage en fait, t'as pas de. Mais après, il y a beaucoup de différences, tu sais. Ah, par exemple, dans Sonic, bon, là, je vais le comparer à Mega Drive parce qu'à Game Gear, bon, j'y ai déjà joué. Mais bon, j'ai plus joué sur Mega Drive. Mais sur Mega Drive, par exemple, dans Sonic 2, ben, au lieu d'avoir 3 niveaux, t'as le deuxième. T'as un deuxième qui est à la fin du deuxième, t'as le boss. Alors que dans le premier, ben, en fait, t'avais 3 stages. Donc, le troisième, à la fin, ben, t'avais le boss. Ouais, Sonic Heroes, c'est ça, t'as 2 stages et le boss. Est-ce que je peux le toucher là? Voilà. Oh là là. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Egg Mobile ou quelque chose régulier. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ah, mais je vais le toucher en fait. Non, mais excusez-moi, mais je connais pas le jeu donc. Voilà. Ah, alors, pour les bonnes vieilles capsules. Ouais. Sauver les nanimes. Moi, ce que j'attends ce jeu là, c'est qu'en fait tu récupères des émeraudes, mais en fait ça sert à rien. Y'a pas de Super Sonic? Ben c'est le premier, tu veux t'attendre à quoi? Bah oui, c'est y'a le premier. Y'a que 6 émeraudes. Y'a que combien? Y'a que 6 émeraudes dans le premier. La 7ème justement c'est dans le 2. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Ok. Ben ça a duré que 2 secondes. Non, mais c'est le jeu entier. Ah, ok, on peut se faire avoir. Tu m'auras pas. Piranha. Oh non, mais c'est horrible. Oh non, c'est pas horrible, c'est tout là. Ah non, pas la mouche. Oh putain. C'est pas une mouche. Faut que je trouve un. Tiens, attends, il faudrait que j'essaye de me rappeler les noms des méchants. Ça serait bien. Méchants. Ben, ce sont des patniks, de toute façon. Oui. Pour anecdote, tous ces méchants là, ce sont des badniks. Ah tiens, j'ai un objet. C'est quoi ça? C'est électrique. Ah, c'est un bouclier tout simplement. Un bouclier tout simple. Le bouclier électrique il a apparu je crois dans le 2. Ça rame là. Ok. C'est un... Boing. Oh, ça passe. Et ça je comprends pas à quoi ça sert les flèches vers le bas. Gaz moi. Bon, je comprends pourquoi ça s'appelle le bridge. Merde. Ouf. Oh le piège. Ah c'est piège. Je me rappelle. Je les ai tous. Ah ça rame. Oh non, oh piranha la con. Là. Mais c'est moi ou il y a une émeraude? Attends. Mais comment j'y vais là? Il y a une émeraude. Oh ouais! Oh putain, j'y étais. Bon bah c'est mal. Hein. Ouais, c'est totalement différent du système. Ah, c'est différent du Game Gear et Mega Drive. Alors que dans Game Gear, la plupart du temps, tu essaies de les trouver. Du moins dans le 1, tu essaies de les trouver. Dans le 2... Dans le 2, j'en peux plus. Ah, génial. Bon, ben, c'est fini, on dirait. Hein. Ok, super. Ça a été court, hein. Bon, attends, on va essayer d'en tourner où on en était, puis on va prendre la vidéo. C'est quand même un peu con. Voilà, c'est bon, j'ai refait tout le jeu. Enfin, le jeu entre guillemets. L'émeraude, on va pas la prendre, voilà, parce que c'est assez difficile comme ça. Difficile, mon cul, ouais. Essaye d'avoir les 7 émeraudes dedans. Essaye d'avoir les 7 émeraudes dans... sur la version Mega Drive. Oh, c'est tu verras. Quand t'as Super Sonic, franchement, t'es content. Ah, c'est méga utile, quoi. J'ai gagné un anneau en plus. Je sais même pas si je les garde à chaque niveau. Ah, évidemment. Oh non, c'est du scrolling, oh non. C'est du auto-scrolling. Tu aimes l'eau, hein, Sonic, tu aimes l'eau.
Ah, j'ai l'impression d'être dans Rayman, quoi, avec tous les, pyramides qui sont devant. Quoi? Quoi? Ah non, pas toi. Hein. C'est mon territoire? Quoi? Quoi? Ah, m'énerve cette mouche. C'est pas une mouche, c'est une abeille. On me traite ouais, d'un cul, je te donne un coup. Oh, mais c'est pas de la vitesse, ça. Tu mourras pas. Je peux pas l'accélérer, non. Mais toi, c'est pas une bonne idée. Vas-y, 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 putain, non. Bon, bah ça gère. Ah non. Oh là là, me gonfle cette abeille. Une vie. C'était super risqué, mais... C'est quoi le but de Sonic en fait dans ce jeu déjà? Il doit être bah, robotique sauver quoi. Les animaux. Quoi? Sauver les animaux. Ouais voilà. Go. C'est tout. Ouais. Et buter le robotique. Le seul, c'est à partir seulement de Sonic Adventure 1, en gros Sonic Adventure DX pour la version GameCube. Ouais. Que le docteur Robotnik décide finalement d'utiliser les 7 émeraudes du chaos. Mm. Oui, parce qu'avant il ne savait pas que ça existait. Je ne sais pas parce qu'il a jamais essayé de les capturer. Ah, bah j'ai un niveau bonus, cool. Parfait. Ah, bah c'est bien ça. Vas-y, éclate-toi comme un fou. Parce qu'en fait, ouais, j'ai eu. Ah, tu vas mourir dans un niveau bonus. Je n'ai pas d'exclamation. Oh là là. Bah, c'est un truc de merde, donc tu peux. Donc, ne t'en fais pas, tu peux pas mourir. Oh putain. Pas mourir mais je suis sorti du truc quand même mais bon. J'aurais pu avoir plus d'âme mais enfin bon. Je savais pas moi. Ah ouais je peux gagner des continues. Je sais pas comment mais je peux. 4 vies. Ok. Tu aimes l'autre 5 maintenant. Tellement rapide qu'il fait pas tomber tous les trucs. Ah merde! Ah je peux pas faire ça. Mais qu'est-ce que je fais alors? Comment je peux savoir si c'est une touche? On aurait pu être prudent. Ça veut dire que tu n'as pas d'anneau, c'est ça qui est le problème. Oh putain mais... Bah ouais j'ai pas d'anneau. Du coup je me fais défoncer. Oh là là, c'est quoi ce délire? Mais t'en fais pas, c'est pareil aussi sur Sonic non. 2 sur GIR. Ok j'évite. Non mais c'est impossible à éviter, c'est bon quoi. Bah tu vas au côté gauche. Ah oh, bah faut le savoir hein. Ah c'est mon encore une vie. Bon sinon on arrêtera là, on fera le deuxième jeu qu'on a. Ok je vais à ce côté maintenant. Oh mais en plus il m'a visé quoi. Il crève. Ok bon c'est vert. Quel combat épique. Oh merde. Moi j'ai encore une vie. Ah, oh là 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 là, c'est trop dur. Tu préfères ça ou que ce jeu? Non, non, arrête. Je le répète. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Ça ou que ce jeu? Ça, non, cause 2. Crève. Oh non, mais j'en ai marre.
Alors Game bon, over. on vous a un peu montré le premier Sonic, voilà. Sega, c'est plus fort que toi, Phil. Ouais. Ouais, bah oui. Allez, merci de regarder, on se retrouve pour un prochain mini-jeu. Salut à tous.